Attends. Ah. Salutations les gamers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre 27ème épisode sur Night of the Dead. Je suis en train de farmer un petit peu. J'ai commencé à améliorer la base. On avait dit la dernière fois qu'on essaierait de se mettre des pots pour les plantations, pour faire pousser des petits buissons et des arbres. Donc on va essayer de se faire ça. Il faudrait que j'agrandisse peut-être la plateforme. Donc au cas où, écoutez, je farme un petit peu de bois. Et surtout, j'aimerais aussi récupérer pas mal de feuilles. Parce qu'il me manquerait un peu moins de 250 feuilles de recherche, justement. Pour pouvoir débloquer le moteur afin de se faire la pompe à pétrole, là. Donc, ce qui serait peut-être bien, c'est qu'on arrive à enchaîner tout ça. Donc, je continue à farmer. Et j'ai eu une grenouille explosive qui s'est pointée il n'y a pas deux minutes. Avec d'autres saloperies. Donc, j'ai dû aller les faire péter à la base. Et vu que j'ai pas fini tout upgrade en briques, c'est un petit peu compliqué. J'ai dû éteindre l'incendie. Donc on va continuer à farmer un petit peu tout ça. Et puis bah, écoutez, on se retrouve après à la maison pour s'installer nos pots de fleurs. En espérant avoir assez de feuilles aussi pour faire nos petites feuilles de recherche. Je sais pas du tout combien j'en ai. Sachant qu'il en faut plus d'une dizaine. Ouais, je crois que c'est 10 feuilles pour une feuille. Là je pourrais avoir 9 feuilles de... 9 feuilles de recherche. Sans compter celle-là, il m'en reste une à la maison, ça ferait 15. 15, ouais, j'ai pas fini quoi. Franchement, ça va être une tannée. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on arrive à se faire pousser des arbres. Sachant aussi qu'il me refaut de la pierrasse. Donc je vais taper tout ça. Et puis écoutez, on se retrouve dès qu'on peut pour s'installer nos petits bacs à fleurs avant que l'arbre se pointe. Allez les murs, je me suis fait agresser par un ours. Je l'ai entendu arriver, le salopio. Ah, si tu peux monter encore d'un étage, ça m'arrangerait. Ah, on va se le tuer. Alors heureusement qu'on peut escalader maintenant, parce que franchement... ah, c'est bien tendu. Si tu pouvais mourir, ce serait pas mal. Merci bien pour moi. Allez, je vais récupérer toutes mes flèches. Regardez-moi tout ce qu'il a fallu lui mettre dans les entrailles. Ah, c'est un peu compliqué d'ailleurs. Faudrait qu'on s'améliore. J'ai vu que je pouvais améliorer mon katana. Ah, faudrait que je fasse ça. Moi, je vais retourner taper de la pierrasse et des arbres en espérant ne pas me refaire agresser. Et puis, bah, j'espère qu'on se retrouvera entier après. Ok les murs, j'ai pas mal farmé, je me suis fait tatane aussi par une petite horde de zombies. Mais ça va, je suis encore entier. Alors est-ce que là-bas c'est un sanglier mort ou je sais pas quoi? Non, c'est un sanglier qui a envie. J'ai dépiauté un sanglier qui était mouru. J'ai récupéré pas mal de trucs. Il y a pas mal d'animaux là qui se promènent aux alentours. Va falloir que j'aille me faire un petit truc à manger d'ailleurs au passage, puisque là je commence à souffrir un peu. Et puis on va aller s'installer nos bacs à plantes. Je suppose qu'après ça va me demander du compost et compagnie. Ce qui va pas forcément me ravir au plus haut point. Mais bon, tant pis. Bonne viande, je vais me faire tout ça. Je vais me faire mon pied de cochon aussi. Ça c'est de la grosse viande. Allez, on peut se faire un petit plaisir pour se faire plaisir tout simplement. Je vais stocker tous mes petits légumes. Ah, si la petite belle pouvait y aller, ce serait pas mal. Ah, donc pas mal de ressources. Et j'ai aussi du gras et tout à mettre. Et je vais déposer mes pots et tout et on se retrouve au potager. Ok, donc comme vous pouvez le voir, j'ai installé une petite caisse qui est juste ici. Je vais déposer mes notes avec. Je vais mettre ma gunpowder tant que j'y suis. Je vais déposer tout ce que je peux même. Les tissus aussi. Donc là j'ai du bois, je sais pas du tout ce qu'il va nous falloir. Bah là ça va être des plantes décoratives, mais je m'en fous un peu quoi. Pot contenant une plante succulente. Philandron.
pot de sansevière. Eh, écoutez, on va se faire un... Je sais pas si on peut les consommer ou quoi. Pot de cana. Eh, je sais pas si c'est décoratif ou quoi. Là, il y a du basilic. Alors, on se fera un pot de chaque pour voir. Sachant que là aussi, on peut se faire un coffre-fort. Donc, il faudra essayer de le faire. Les loupiottes, j'en ai toujours pas mis et compagnie. Mais nous, faut qu'on aille... faut qu'on aille au potager. Alors, ce qui est chiant, c'est que des fois, il y a des items qui apparaissent en tout petit. Si je viens ici, regardez, c'est juste illisible. C'est pas possible. Donc, nous, c'est là qu'il faut aller. Donc là, il me faudrait du fumier, des clous et des planches. Ok, donc 2 de fumier, 12 clous et 12 planches. Bah, c'est parti. Je crois que normalement du fumier, j'en avais peut-être sorti d'avance, peut-être pas au final. Je vais récupérer ça, je risque d'en avoir besoin. Clous et planches. Il y a des clous. Normalement, j'en ai rangé quelque part. J'en ai rangé quelque part. Ils sont pas ici. Ouais, c'est un peu le bazar. Hein. J'ai un peu réparti tout ce que je pouvais un peu partout. Regardez, j'ai même fait 2 moteurs pour réinstaller des pièges. Alors, peut-être que j'ai déposé des clous en haut. Ouais, ici. Et là, j'ai des planches. Et justement, il m'en faut le nombre. Alors, je sais pas du tout maintenant si je fous ça directement au sol. Ah ouais, il manque le fumier. Faut que je me sorte du fumier. Et je crois qu'il va me falloir des feuilles, ce qui est un petit peu embêtant. Je sais qu'il me faut du boyau. Et je crois qu'il me faut aussi du gras. Donc, on va aller ici. Ah, fumier, feuilles, viande. Par contre, je pourrais en faire qu'un seul. Parce qu'il me manque un autre petit bout de viande. Vous voyez, mes petits morceaux de viande, ils sont stockés par ici. Voilà, parfait. Donc là, je peux faire du fumier. Ok, je vais peut-être pas en faire plus de deux. Alors par contre, maintenant, à savoir si je pose ça... vu la taille du pot, je peux peut-être foutre ça directement. Je vais foutre ça dans le fond. Ouais, je veux bien le surélever un peu. Je peux foutre ça directement au sol. Hein. Voilà, parfait. Et je vais foutre l'autre. Il me faut des petits rochers. Ok. Il m'a fait peur le renard. Il me faut des petits rochers. Alors sachant que je suis aussi allé récupérer ce qu'il y avait dans mes machines. Ça se trouve là on peut peut-être encore se faire une petite fournée. Je vais quand même m'allumer ma loupiote parce qu'on commence à avoir un peu moins. J'espère que j'ai pas fait deux fois le même. Je vais essayer de le mettre à cette hauteur-là. J'espère que j'en ai fait deux différents. Parce que sinon je suis dans le caca. Et j'ai... Ouais, si ça pousse pas de la même façon dedans. Si ça peut me filer quatre petits buissons, c'est pas plus mal. Là, bon, il n'y a qu'un seul arbre, mais c'est toujours ça. Donc comme ça va décorer un peu. Par contre, bon, je les ai pas parfaitement alignés, mais c'est pas grave. Faudrait limite que je m'en rajoute encore deux autres. Que je me remette un bac à arbres ici. Et là, peut-être, ou derrière, un bac à buissons. Histoire 2. Et puis, j'installerai peut-être une plateforme là tout le long. J'y vais prolonger. Comme ça, on se mettra un petit pot de chaque petite plante. Je sais pas du tout ce qu'il va falloir exactement. Je sais plus. Où est-ce que c'était? Est-ce qu'il serait peut-être bien? Ouais, c'est là. Alors, je sais pas si c'est décoratif ou quoi, parce qu'il faut pas mal de bazar, du fer et tout. Donc quand j'aurai un bon stock... Ouais, pareil, il faut encore des feuilles de partout aussi. Écoutez, quand j'aurai tout ça, on le fera. Je pense que là, on va peut-être aller se faire un tour. Histoire de... il me saoule les renards à faire du bruit comme ça. J'ai l'impression que c'est un pas joli qui vient pour me taper. Je vais sortir un petit peu de carburant. Bon, j'ai un peu tout pris, mais c'est pas grave. Moi, je vais aller recharger mes pièges. Je vais essayer d'affronter la horde sans me faire mal. Je vais aller chercher ce qu'il y a là-bas. Je vais recharger aussi
Ah bah écoutez, tout ce qui traîne dans le coin. Je me tâte même à déplacer mon... obtenir. Ouais, tout prendre. Je me... Ah, il faut, que j'aille chercher mes kits de maintenance. Tout prendre. Donc j'en ai fait d'avance pour être tranquille. Je vais aller les chercher, je vais recharger tout ça. Et je me tâtais même, ouais, bah écoutez, on s... Enfin, je me tâtais. Je voulais mettre une plateforme ici, avec un piège. Un piège à appât, et mettre le lance-flamme juste à côté, et mettre des guillotines, enfin du moins des... des petites tronçonneuses qui sont... ici. Ouais, je voulais mettre ça comme piège. Comme ça, quand ils sont en train de s'affairer à essayer de déguster... Eh bien justement le piège, ils se font découper. Le seul truc c'est que si je j'active mon trébuchet qui est là-bas, et il faut que toute ma structure soit ignifugée, sinon ça risque d'être assez compliqué. Donc je vais essayer de préparer tout ça et on se retrouvera pour faire ça la prochaine fois justement. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, bien que court. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et puis si vous ne voulez pas louper la suite de nos aventures sur Night of the Dead ainsi que les autres jeux présentés sur la chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde et survivez bien. On va quand même aller se relancer tout ça histoire de pouvoir récupérer plus facilement un peu de minerai. Enfin, je trouve que c'est un peu léger. Le coût par rapport à ce qu'on récupère, mais bon, c'est que mon avis. Dites-moi ce que vous vous en pensez. Sur ce, moi je vais recharger mes petits pièges et je sais pas si je vais pouvoir le faire, mais bon, on va bien voir. Ouais, non, j'ai pas de graines. Bon, je vais juste skin. Allez, ciao tout le monde. Excellent! Oh, donc il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts! Allez, allez, il me faut une personne, par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour. Qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil? Un authentique héros! Vite! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau!